Ah bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 1er décembre, Alléluia, enfin officiellement terminé. Je l'ai trouvé long et pénible, je ne sais pas euh, comment vous l'avez trouvé, vous, mais un mois extrêmement euh, qui nous a drainés, en tout cas, moi qui m'a drainé dans le sens où je réussis à passer à travers, là, mais je l'ai trouvé long, et il était, à cause aussi de l'élection américaine et de tout ce qui s'en est suivi, vraiment, vraiment... Euh, Débilitant. Honnêtement, là, des, euh, vraiment pas un cadeau. Je suis bien content que ce soit terminé. 1er décembre, mais notre calvaire n'est pas terminé. Loin de là, 1er décembre 2020, ça se poursuit, 9h43. On le voit, le climat est dans un changement de cycle dramatique. Et c'est jour après jour qu'on voit des, euh, des centaines de milliers, des millions de nos frères et sœurs touché par euh, tout ça. Ça a l'air anodin quand on est dans nos villes de béton, mais c'est pas un cadeau quand t'es euh, frappé par ça. Puis n'y a rien qu'on puisse faire. Donc on va aller voir ce qui s'est passé au Liban. Ben je vais vous raconter ce qui s'est passé au Liban. Je vous laisse les vidéos, euh, les liens vidéo de ces images là, renversantes, saisissantes. Les rues changées, transformées en rivières. Quand tu parles d'événements bibliques, c'est euh, un après l'autre. C'est un après l'autre. D'ailleurs, parlant d'événements bibliques, je vous donne un petit aperçu de ce qui va venir dans les heures et les jours à venir. Euh, on va aller faire un tour dans les Écritures, justement. On va aller voir ce que les Écritures racontent. Parce que les Écritures, dans le fond, c'est le récit de ce que les gens vivaient. Beaucoup pensent que, par exemple, l'Apocalypse, c'est ce qui devait venir ou sans venir, mais de toute façon, c'est cyclique, donc ça revient, mais c'est ce qu'on ra ce qu raconte dans. L'Apocalypse, par exemple, de Saint-Jean, c'est ce qui a été vécu préalablement par ces populations-là, et raconté, et écrit. Mais on peut extrapoler, de toute façon, tout est cyclique, tout revient à toutes les 5, 10, 15, 20 000 ans. Donc, si vous voulez, on peut dire que ça se, re, ça se représente, c'est un cycle qui revient, différent, plus intense, moins intense, plus grand. Mais dans le fond, tout euh, se répète. Donc, on ira faire un tour là-dedans aussi. J'ai quelque chose aussi pour les amateurs d'extraterrestres, de fascinant. Donc, restez à l'écoute. Vous n'allez pas, euh, pas le regretter. Pendant ce temps-là, on va aller voir. On a vu ce qui s'est passé en Italie hier, mais la même tempête ben, a fait des dégâts énormes aussi au Liban, entre autres. Une série de tempêtes méditerranéennes, méditerranéennes se poursuit avec des inondations au Liban en italie, en espagne, portugal et des inondations sont également signalées au moyen-orient. les rues de beyrouth se sont transformées en rivières en fonction des observations de la météo des catastrophes naturelles et de la situation des inondations extrêmes dans la région aussi de san paolo au brésil. vraiment inquiétant. Les inondations en Italie, en Espagne, en Portugal, en Iran, au Koweït, en Arabie saoudite seront les thèmes des prochains articles. On nous raconte sur un site vraiment intéressant, je vous laisserai le lien. Beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, on n'en parle pas, on a parlé sur euh, The Watchers, euh, on a parlé de, 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 de l'Italie, mais c'est toutes ces régions-là qui ont été touchées, et spécialement... Beyrouth, au Liban, qui déjà en arrache avec toutes les situations hein, euh, qu'on retrouve là-bas, euh, les, rues, les rues sont transformées en rivières littéralement. Une série de tempêtes méditerranéennes se poursuit avec des inondations au Liban. Donc, vraiment, vraiment pas un cadeau. Tout ça euh, avec plein d'autres changements qui se produisent en hein. 2020, une année euh, définitivement. Euh, biblique. Une année où tellement de choses se passent, tellement de choses euh, surviennent à tous les niveaux, social, économique, politique, la pandémie. Et cette même tempête-là, dont je vous parlais hier, c'est celle-là. Des inondations massives font trois morts en Sardaigne. Une tornade aussi a frappé Catane, en Italie. Au moins trois personnes ont perdu la vie dans ces violents orages où il y avait énormément d'images aussi euh, saisissantes. Donc, c'est ce même euh, modèle, cette même tempête qui s'est promenée, ce même système de tempête qui s'est promenée euh, et qui s'est déplacé pour aller euh, faire des dommages et euh, transformer littéralement les rues de Beyrouth en rivière. Donc je vous laisse... De Beyrouth en rivière, oui. Entre autres, je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous irez voir ces images-là qui sont saisissantes. Et je vous reviens un petit peu plus tard aussi avec euh, le volcan euh, euh, qui euh, fait des siennes encore et qui a euh, forcé l'évacuation euh, de milliers de milliers de personnes, le fameux volcan euh, Lewato, qui n'était pas entré en, en, en éruption depuis un bon bout de temps, hein, depuis 2012 je pense. Et là, euh, l'activité explosive se poursuit. Donc je vous parlerai de ça et de tout ce qui va, ce qui va venir aussi. Euh, dans les prochains jours euh, sur Freedom News Network. Donc, à plus. Je vous laisse ça. Allez voir ces images-là. Vraiment, euh, wow. Ça a donné des frissons dans le dos.